au couple. Alors, vous m'avez demandé, est-ce que Maître Prusa va gagner le procès pour la plainte qu'il a déposée pour les vaccins? Donc, Maître Prusa, réaction 19. Est-ce qu'il va gagner la plainte qu'il a déposée pour les vaccins du Covid-19? Est-ce que Maître Prusa va gagner? Excusez-moi, j'ai oublié de vous baisser sur les cartes. Donc voilà celles qui sont tombées. Alors, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de réunions, hein, d'accord? Qui discute énormément. Quelqu'un qui est dans la communication. C'est quelqu'un qui a beaucoup de paroles, hein, qui dialogue beaucoup, d'accord? Les sorties aussi, hein, donc quelqu'un qui bouge énormément, d'accord? Et il fait des rencontres, hein, des bonnes rencontres, des rencontres positives, d'accord? Voilà. Par rapport à ces rencontres, il a beaucoup de vérité, d'accord? On lui dévoile beaucoup de secrets, d'accord? Voilà. Alors, Maître Prusa, réaction 19. Alors, on a l'enfermement, d'accord? Donc, c'est l'isolement, hein, d'accord? La solitude, hein, tout ça, voilà, le cloître, hein, voilà. Et on a la vérité. Bon, alors, je pense que par rapport à ces rencontres positives qu'il va faire, hein, il va savoir des choses sur le confinement, d'accord? Sur le confinement qu'on nous oblige. Et il va déjà gagner peut-être ce procès-là, parce que je crois aussi qu'il avait fait un procès. Justement pour ces confinements, d'accord? En tout cas, il y a le succès à côté de l'enfermement. Donc, je pense que déjà, il pourrait peut-être déjà gagner le procès contre le confinement. Voilà. Alors ensuite, les cartes qui sont tombées. On a l'échec, donc les défaites, hein, voilà. Mais c'est aussi, attention, les obstacles et une période difficile, d'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'il va perdre. Moi, je vois qu'il va, il va y avoir un compromis, d'accord? Donc, il va négocier quelque chose, il va échanger, d'accord? Il va trouver des arrangements. C'est quelqu'un qui veut vraiment discuter afin de trouver un accord. D'accord? Voilà. Et il est bien entouré. Enfin, voilà. C'est une association, hein, je crois. Donc, il est bien entouré aussi avec ses associés. D'accord? Voilà. Bon, écoutez, moi, j'ai... voilà. J'ai l'examen, donc pour l'instant la plainte elle est en examination, hein, voilà. Mais je vois qui a le succès, la réussite, d'accord? Mais il faut rester confiant, d'accord? Il faut aussi l'aider, ok? Je vous dis, s'il n'a pas il le demande, hein, d'ailleurs, hein, d'accord? Qu'on signe les pétitions et tout ça. Si on ne le fait pas, tout seul il ne pourra pas tout faire, d'accord? En tout cas, il est dans un carrefour, il va faire un choix, il va prendre une décision, ok? Il est à la croisée des chemins, mais il n'y a que lui qui peut prendre cette décision. Alors, cette décision, voilà, c'est sur la distance. Donc, je pense, pour moi, qu'il va se déplacer. Il va se déplacer, il va s'éloigner. Il va avoir un nouveau projet. D'accord? Moi, je pense que
il va échanger parce qu'on a le compromis, d'accord? Il va échanger avec quelqu'un qui n'est pas tout près, puisqu'on a la distance avec, on a les déplacements, d'accord? Par contre, il n'y a que lui qui va faire le choix, qui va prendre la décision de se déplacer ou pas. En tout cas, il y a l'ouverture, d'accord? Donc c'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un qui cherche vraiment les clés, qui cherche vraiment de trouver des solutions. Il va avoir aussi un nouveau projet, d'où je le vois avec la distance qui va se déplacer. En même temps, il est très aidé voilà, par sa famille. Je crois que sa femme fait partie de cette association, d'accord? Il y a vraiment des liens solides, d'accord, entre eux, hein? Ils sont vraiment sur le même, sur la même longueur d'onde, d'accord? Ils veulent vraiment aider. C'est des gens qui sont dans l'amour. Bon, après, on parle de famille, mais ça peut être aussi avec ses collègues de l'association, ses collègues avocats et tout ça, hein, d'accord? Vous savez, quand on travaille beaucoup ensemble, après, on fait partie de la famille, hein, c'est un peu comme les pompiers et tout ça, d'accord? Alors, est-ce que Maître Brusa va gagner le procès pour la plainte qu'il a déposée contre les vaccins du Covid, s'il vous plaît? Est-ce que Maître Brusa... Alors, oui, alors, regardez, on a la tranquillité, d'accord? Donc, lui, c'est quelqu'un qui est en harmonie, hein, qui est dans la paix, qui est dans le calme, hein, voilà. Et même par rapport, vous voyez, à son association, d'accord? Ils sont vraiment, voilà. Vous voyez, en plus, je sors la femme, hein, donc l'épouse et tout ça, d'accord? Donc, la collègue et tout ça. C'est vraiment des gens bien. OK? Moi, je les vois très très bien. Ils discutent beaucoup. Ils essayent vraiment de trouver des solutions. Et je pense que là, il a un nouveau projet. C'est peut-être de se déplacer pour aller chercher d'autres infos. Voilà ce que mon jeu me dit. Ensuite. Hop, je vais prendre ce jeu. On va voir. Alors, est-ce que Maître Brusa va... Oh, réaction 19. Oh là, il y en a beaucoup trop, hein. Alors, on va recommencer. Alors, est-ce que Maître Brusa de l'association Réaction 19 va gagner le procès pour la plainte qu'il a déposée concernant les vaccins du coronavirus, COVID-19. Est-ce que Maître Brusa va gagner le procès? Alors, vous voyez, il va avoir un choix à faire. Voilà, il y a un choix, ok? Alors, il y a l'argent, le pouvoir d'achat, les finances, voilà, union rencontre, vous voyez, je vous dis, il va rencontrer, il va faire le choix, hein, il va faire le choix par rapport à une rencontre, hein, d'accord? Bon, l'argent, les finances, le pouvoir d'achat, ça ne veut pas dire que c'est lui, hein. Ça veut dire que peut-être par rapport à ce vaccin, hein, c'est juste une histoire d'argent. C'est vrai qu'ils ont été achetés, hein, donc vous savez bien que l'état profond ne veut pas perdre des sous, hein, voilà. Donc, en tout cas, il y a la justice et les lois. Donc, il va vraiment faire marcher la justice. Pour moi, Oui, il va au tribunal, hein, d'accord? On a l'automne.
Donc vous allez me dire, ouais, mais si c'est l'automne prochain, ça peut être aussi dans les 3 mois. D'accord? Quand c'est les saisons, on peut les traduire aussi en 3 mois. Alors, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Bon, voilà, il faut attendre un peu et patienter. C'est normal, on est dans le moment des fêtes. D'accord? Donc les tribunaux, ils sont aussi au ralenti. Alors, est-ce que Maître Brusa va gagner le procès concernant la plainte qu'il a déposée pour les vaccins du Covid-19? Bon, on sort la famille, vous voyez? Voilà. Donc, pour moi, il veut protéger, d'accord, les familles. Donc ça peut être les personnes âgées, ok. Mais bon, pour l'instant, il y a des mystères, hein, il y a des secrets, d'accord. C'est ce que je vous disais, vous voyez. Pour l'instant, bah, c'est les fêtes, alors tout est bloqué, ok. Alors, est-ce que Maître Busa... Après, il défend aussi les familles. Ok? Donc voilà. Est-ce que Maître Brusa va gagner le procès pour la plainte qu'il a déposée pour les vaccins? Est-ce que Maître Brusa... Oh! Gagner le procès, s'il vous plaît, les cartes. Hop, hop, hop. Alors, oui, regardez, il va y avoir un remaniement, une transaction, un changement. D'accord? Voilà. Bon, donc ça va peut-être plus être obligatoire, vous comprenez? Hein? Voilà. On a le malheur, le chagrin, la mort et la faim. Bon, malheureusement, ben, vous avez vu hein, qu'ils sont pressés de les faire, là, ces vaccins. D'accord? Donc il y aura certainement, hein, voilà, malgré tout, des morts, hein, qui va provoquer beaucoup de chagrin. Et vous voyez, c'est cet hiver. D'accord? Mais attention aussi, hein, parce que moi je dis, et ça mes guides me le disent, hein, moi j'arrête pas de vous le dire, ne faites pas le vaccin de la grippe, parce qu'ils vont vous faire croire que c'est le vaccin de la grippe qu'ils vont vous faire, et ce n'est pas vrai. Ou alors ils vont avoir mis quelque chose dans les vaccins de la grippe. Alors. Est-ce que réaction 19 va gagner le procès de la plainte qu'il a déposée pour les vaccins? Obligatoire. Ouf. Bon, il va y avoir beaucoup d'erreurs de fait, hein, d'accord? Il y aura aussi, regardez, les jeunes hommes. Hein, un jeune homme, ok? Il va y avoir beaucoup d'erreurs de fait sur des jeunes. Voilà ce qui va se passer. Sur des parents aussi, d'accord? Malheureusement, lui, regardez, il est quand même bloqué, vous voyez? Il y a des retards. Mais... Il pense fortement, il réfléchit beaucoup. D'accord? Il se sacrifie même. Hein, d'accord? Il sacrifie. Hein, d'accord? Bon. Il a des idées, beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Et vous voyez, voilà, regardez. Il va faire un arrangement, une collaboration, un compromis avec quelqu'un. OK? Et oui, regardez, il va gagner cette plainte. D'accord? C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'amour, hein, qui est, comment je peux vous dire ça? Qui est vraiment, c'est un monsieur qui vient aussi de la lumière, hein, ce monsieur, hein, parce que je vois que c'est le seul avocat à se démener comme ça, d'accord? Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il se démène vraiment beaucoup, hein, voilà.
Alors, est-ce que Maître Brusant... Oh! Réaction 19. Alors, regardez, oui. Il y a le papillon. Donc, il va y avoir un changement de situation, une amélioration. D'accord? Est-ce que Maître Brusant va gagner le procès sur la plainte qu'il a déposée contre les vaccins coronavirus? Regardez, vous voyez, il a vraiment, voilà, il est protégé par l'univers, hein, d'accord? Il est guidé, hein, d'accord? L'univers, elle le protège. Alors, voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Il est bien entouré, d'accord? Et c'est vraiment quelqu'un de fidèle, hein, ok? Celle-là, elle voulait venir. Pour lui, c'est vraiment une nécessité. Il n'est pas d'accord avec tout ça, et l'univers l'envoie, hein. Et donc, c'est vraiment nécessité. C'est quelqu'un de bienveillant, de sage. Vous voyez qu'il est plein de compassion, hein, ce monsieur. Alors, est-ce que Maître Brusant, l'association Réaction 19, va gagner le procès contre la plainte qu'il a déposée? Bon, il va avoir des choix à faire quand même, d'accord? Il va devoir choisir quelque chose. On a la pie. Donc, ça va beaucoup bavarder, ok? Et je pense qu'on va être privé de liberté, d'accord? Mais voilà, il y a quand même des blocages, les projets sont à l'arrêt, donc je pense que il va arriver à les bloquer, d'accord? Mettre leur projet néfaste et vraiment satanique, hein, d'accord? À l'arrêt. Voilà. Par contre, bon, il y a quand même un courant qui passe mal avec certaines personnes. D'accord? Voilà. Par contre, j'espère que ça ne va pas lui arriver, hein, parce que ça arrive déjà au médecin. Moi, je vois l'emprisonnement. Condamnation, solitude, obstacle, difficulté. Ça va être quand même une chose très, très, très compliquée. D'accord? Voilà. Mais voilà, il y a des choses cachées qui arrivent. Et là, ça va nous amener le soleil. D'accord? Et il aura le succès. Hein. Donc, je vous ai sorti oui tout à l'heure. Et là, on a vraiment le succès. Donc, il va vraiment s'en sortir. Il va y arriver. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il n'y arriverait pas. Moi, je ressens. Hein, je l'ai regardé quelquefois. Enfin, regardez, non, écoutez, parce que je fais des choses à la fois, voilà. Et je sens que c'est vraiment quelqu'un de positif, et voilà. Mais il n'y arrivera pas tout seul non plus. Alors, le 8 d'air, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, la peur d'agir. Donc, vous, c'est pareil, il faut l'aider, d'accord? Il ne faut pas avoir peur d'agir. Il ne faut pas avoir peur d'aller... le soutenir dans ses plaintes. Ben, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? Ok? Parce qu'il a besoin d'aide. Hein. Il est comme canard, il est comme tout le monde. S'il n'est pas aidé, il ne peut pas nous aider non plus. Le 4 d'eau. Alors, ratez une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et, là, et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Hein. Il a des nouveaux projets, d'accord? Il faut qu'il lâche prise un petit peu. Parce que là, pour l'instant, lui, il est un peu. Il est un peu insatisfait. Hein. Et ça ne va pas assez vite pour lui, d'accord? Mais bon, il va avoir de nouveaux projets, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ben voilà, celle-là, elle s'était retournée aussi. Alors, le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui donne toute son énergie pour nous aider. Hein, d'accord? Donc nous, il faut en faire autant aussi. Il faut
qu'on le soutienne. Vous voyez, ouvrez votre cœur et votre esprit, hein, d'accord? Alors, est-ce que Maître Bruiseur réaction 19 va gagner la plainte? On a l'empereur, l'archange Michel. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Vous voyez, voilà, il faut vraiment s'organiser. Il faut être avec lui, hein. Ok? Il faut qu'on le maintienne, qu'on le soutient. Alors, Maître Bruiseur, réaction 19. Est-ce qu'il va gagner la plainte qu'il a déposée contre les vaccins? Bon, alors, je prends celle-ci. On a la justice, l'archange Raguel. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Voilà. Vous voyez? Donc, on a la justice qui va s'en mêler, d'accord? Et, bah voilà, hein, Maître Bruza, c'est un avocat. Hein, il sait très bien, voilà. Il sait très bien ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. D'accord? Donc, faites-lui confiance, mais il faut l'aider aussi. Alors, est-ce que Maître Bruza de réaction 19 va gagner le procès contre la plainte qu'il a déposée concernant les vaccins obligatoires du COVID-19? Oh là là, il y en a beaucoup. Hein. On a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord en vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bon, c'est vrai hein, qu'il est très... c'est un homme très correct. Hein. De toute façon, ce qu'il dit, c'est pas des conneries. Hein. Le plongeon. Courage. Et lancez-vous avec réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez, voilà. Il a plongé dedans. Hein. Il est vraiment à donf. Hein. Il est vraiment à donf. Hein, d'accord. Et ben voilà. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà. D'accord. Donc, il va triompher. On a vu, oui, il va réussir et tout. Hein, voilà. Vous avez vu, j'ai sorti la carte... oui. Voilà. Mais voilà, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Regardez, l'univers le soutient. D'accord? Et même nous, il faut le soutenir. D'accord? Il faut aussi l'aider. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ok? Donc ça, c'est pour nous. Ok? On doit suivre nos intuitions. Et on a l'attente. Voilà. Donc, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. En tout cas, moi, j'ai vu que oui, il va gagner. Il va avoir le triomphe. Hein, voilà, il va triompher. Voilà. Mais, il faut qu'il soit aidé. Il ne peut pas réussir tout seul. Voilà. Ok? Bon, bah écoutez. Voilà, encore un homme à qui on peut faire confiance. Voilà, c'est très très bien. Bah voilà, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Voilà, bisous.